Tout le monde est bienvenu sur la chaîne YouTube Celtic Reptile. Alors aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas vous parler de reptiles. Je voulais vous parler d'un nouveau petit pensionnaire qui a intégré notre famille. Donc, comme pour certains le savent, la passion de ma femme, ce sont les lapins. Et bah écoutez, le mieux c'est de vous le montrer en image. Donc voilà. Alors on est sur un petit lapin de 8 ans. Donc il a été récupéré. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la personne avait moins de temps pour s'en occuper, donc pour des raisons personnelles. Et elle a préféré le placer chez nous. Pourquoi? Parce que la personne savait que chez nous, ce lapin allait pouvoir, entre guillemets, finir sa vie dans de très très bonnes conditions. Donc pourquoi la personne ne pouvait pas s'en occuper comme il se devait? C'est tout simplement parce que ce petit lapin a les pattes malheureusement paralysées. Donc il a une motricité qui est assez faible au niveau de l'arrière, donc il a besoin d'être assisté. Donc il est lavé tous les jours, voire une à deux fois par jour, pour éviter qu'il traîne dans ses propres excréments. Donc c'est un petit lapin qui se prénomme Oggy. Voilà, un vieux petit bonhomme. Donc laver tous les jours, peigner tous les jours, il voit plus grand-chose, mais voilà, on fait en sorte que sa fin de vie se passe le mieux possible. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour lui, donc il a juste besoin qu'on lui apporte beaucoup d'amour et de soins. Voilà, ça demande vraiment du temps, et voilà, le temps on en a, voilà, donc c'est vraiment une passion de s'occuper des animaux et je voulais vous aussi, par ce biais-là, montrer qu'il n'y a pas que les reptiles et que les amoureux des reptiles aussi aiment les rongeurs et les autres animaux qui grignotent. Car le lapin n'est pas un rongeur. Mais voilà, donc c'est un petit pépère qui a un peu plus de 8 ans et il va passer ses vieux jours, sa retraite chez nous. Voilà, donc 6 lapins à la maison. Donc ce petit vieillard. Donc en espérant qu'il... Voyez la marque d'affection, il me lèche. Voilà, c'est un beau petit pépère. Bon, c'est sûr que c'est nous, entre guillemets, qui faisons en sorte qu'il se sente bien. Il a un bain tous les jours. On fait en sorte que ses pattes puissent bouger dans l'eau. Donc on lui fait vraiment... fonctionner l'arrière-train dans l'eau pour éviter non plus que ça s'aggrave, mais bon voilà. Il est tout heureux, tout beau. Bon, parlons pas de la coupe de cheveux, hein. Ça, c'est ma femme avec ses ciseaux. Bon voilà. Allez, il vous dit au revoir avec sa petite papatte. Bon, sur ce, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube Celtic Reptile. Ciao, ciao tout le monde!